Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième saison de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner pour cette nouvelle saison, je suis avec Mika d'AutoX. Comment ça va, Mika ? Bah salut, bonjour à tous, encore heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui sera, je pense, de folie. Je suis avec Looping. Comment ça, Looping ? Salut les gars, ça va très bien, je suis très heureux de commencer cette deuxième saison avec vous. Je suis avec Soubikoun. Comment ça va, Soubi ? Salut tout le monde, bah ça va nickel, il était temps qu'on reprenne, j'étais en manque là. Tout le monde est en manque et surtout vous, monsieur professeur Oz, comment ça va Oz ? Salut à tous, ça va très bien, content de vous retrouver. Oh la vache, quel ton en joue, quelle excitation, on te sent fébrile, on sent que tu as passé de bonnes vacances. Et messieurs, aujourd'hui on reprend cette saison avec un gros jeu, un jeu très connu par les fans de jeux vidéo et les fans de films de merde. On va parler de Double Dragon. Double Dragon, beat'em up développé par Technos, édité par Taito, c'est sorti en 1987 en arcade et la plupart d'entre nous l'ont connu aussi sur NES en 91, là c'était édité par Acclaim en Occident. Bon après il est sorti sur un nombre assez hallucinant de plateformes par la suite. Messieurs, Double Dragon, là on attaque fort, on avait commencé la case rétro par Actraiser qui est un jeu un peu moins connu, là on attaque vraiment avec du lourd. Et j'ai envie de vous demander, mais quelle était votre première rencontre avec Double Dragon, Mika ? Ben moi en fait, c'est pas en arcade que je l'ai découvert, c'est plutôt sur Amstrad. Donc la toute première fois que j'ai joué à Double Dragon, c'était sur Amstrad CPC. Mon pauvre, c'était à cassette, couleur, Non, mais je l'ai suffisamment répété, je n'ai jamais eu le cassette. J'avais directement le lecteur disquette, quoi. Alors, si je me rappelle ce que nous avait dit Locutus, disquette, ça veut dire que ça commence par un 6, c'était la 6128, c'est ça ? Bravo! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on apprend en côtoyant de vieux joueurs, c'est incroyable. Soubi, toi, première rencontre avec Double Dragon? Bah, pour être tout à fait honnête, j'y ai pas mal réfléchi et entre deux souvenirs, j'arrive pas à me rappeler lequel était le premier en chronologie. Ouais. En fait, je me rappelle y avoir joué chez un ami de ma mère sur Master System, donc le 1, cette. Quelle question? C'était. Et j'ai aussi un très très gros souvenir bah, du coup sur la version NES, sur le Double Dragon 2 avec mon cousin. Mmh. Et je pense que en fait j'ai dû plutôt, enfin même si j'arrive pas à me rappeler par lequel j'ai commencé, c'est surtout le 2 qui m'a laissé un vrai vrai souvenir marquant, quoi, avec mon pote, enfin avec mon cousin, parce qu'on pouvait jouer à deux et ouais. Rien que ça, c'était énorme. Ok, Looping, toi, ta première rencontre avec Double Dragon, c'était quoi? Ah, moi c'était la version arcade. Oh le bourgeois. Oui, moi c'était mais c'est pour moi c'est mon jeu d'arcade, quoi. C'est le seul jeu déjà d'arcade que j'ai terminé. Mmh. Donc en fait j'allais avec, terminé double ouais, bourgeois là. En fait pour tout vous expliquer, à l'époque j'allais avec mon pote pendant que sa mère elle faisait les courses, on allait au centre commercial. Ouais. Et dans le centre commercial il y avait un bar qui avait la borne. Mmh. Et le temps qu'elle fasse ses courses, tu avais. Ouais, c'est ça, oui. Il y avait que la borne qui vous intéressait dans le bar, bien sûr. Non mais ça en va parce que la limonade. Voilà. La borne elle était pas dans le bar, c'était une galerie marchande et la borne était à l'extérieur du bar, en fait à l'entrée du bar. Ah, c'est vous les deux jeunes dans Terminator 2, c'est ça? Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que maintenant, quand j'y repense, je devais avoir 8-10 ans. Mmh. Et à l'époque, il n'y avait aucun problème. Tu pouvais jouer comme ça sur les bornes. Tu n'avais pas de soucis d'âge, quoi. Donc voilà. Et après, je l'ai eu sur Amstrad et sur NES aussi. Oh, un gros fan de Double Dragon, visiblement. Voilà, un sadomaso. Professeur, vous, rencontre avec Double Dragon. Enchantez-moi. Eh bien, un petit peu comme l'ami Soubi, en y réfléchissant, je ne réussis pas à me rappeler précisément quelle version j'ai touché en premier. Mmh. Ça devait vraiment être à peu près à la même époque, c'est la version arcade et la version Amstrad CPC cassette. Oh là là, oh le hardcore. Oh, ça devait être hardcore. Au chrome. Bah, disons que quand on jouait à deux, il y en avait un qui était avec le joystick un bouton, quoi, comme la plupart des joysticks à l'époque, et l'autre qui jouait au clavier. Donc c'était. Mais je me rappelle qu'on l'avait fini avec mon frère. On pouvait jouer à deux sur Amstrad, quoi. C'est intéressant. Attendez, si Kishimoto entendait ça, sur 4 gars interviewés, il y en a limite 3 qui ont fait ça sur Amstrad, quoi, mais c'est hallucinant. Cette émission ne se fera qu'avec Looping. Je suis sûr qu'il sait même pas ce que c'est comme machine, quoi. Exactement, en plus. Bon bah voilà, ça va être très compliqué de vraiment parler d'un même souvenir, puisque vous avez connu ça sur des versions différentes et on verra qu'il y a vraiment pas mal de différences selon les versions. Mais comme d'habitude, avant de se lancer dans le gros du débat et de parler en détail de Double Dragon, on va se lancer
sur ce qui se faisait à cette époque et j'ai pris la date de la sortie arcade, 1987. Et en 1987, au niveau jeux vidéo, j'ai noté la sortie au Japon de la PC Engine de NEC. Wow. Ouais, et encore chez nous, à l'époque, elle n'était pas extrêmement connue, parce qu'elle a été importée en France par Solipeng, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est mais ça a resté très confidentiel. Et, mais moi, même je l'ai moins cher. Très cher aussi. Ouais. Mais même aujourd'hui, ça reste une des consoles, je pense, les moins connues des joueurs qui sont pas hyper calés en jeux vidéo. Quoi. En pour les rétro gamers, c'est une console, c'est une pépite à retrouver. Oui, après, ceux qui connaissent pas, c'est vrai que quand on dit Bomberman, je suis pas sûr que tout le monde sache que Bomberman a commencé d'abord sur PC Engine. Exactement. Ou PC Kid, il pourrait dire que c'est un magazine. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, à l'époque, il y avait deux jeux qui me faisaient rêver. Donc, c'était PC Kid, qui était pour moi, à mon sens, à l'époque, mieux que Mario. Oui. Et ah ouais, mais entre-temps, il y a eu Super Mario World. Et à l'époque, il a tout enterré, je trouvais. Enfin bon. Et le jeu de Flipper, dont le nom m'échappe. Il crush. Ah, merci. Celui-ci, mais pourtant, j'ai jamais été un grand joueur de Flipper. Hein. Vous l'avez vu quand on s'est vu à Retro Game Alp. C'est une boule de Flipper. Qui Pardon. je sais pas, il y avait ces deux jeux, ils me faisaient mais baver, quoi. Vraiment. Hein. Mais en fait, tu préférais Sonic Spinball hein, sur Mega Drive, mais t'oses pas le dire. Arrête, il était pas si mal, Sonic Spinball. Oh non, c'était une bouse. Hein. Arrête, je l'aime. Non, il est bien. Nouvelle actualité vidéoludique de 87. Et là on va... c'est un peu comme la console de NEC. Ça va être un truc un peu plus historique. C'est la sortie de Tetris en Europe sur ZX Spectrum. Sur ZX Spectrum. Oui, à l'époque où Tetris appartenait à Mirrorsoft. Oh. Avant que les droits reviennent... à Pagetnov. Ouais, enfin, à l'époque où justement où c'était un vrai capharnaüm pour savoir. Voilà, qui à l'époque où Tetris, on savait pas à qui appartenait Tetris. Voilà. Ouais, parce que ça reste quand même la Game Boy qui a fait exploser voilà. le jeu. Hein. Et comme on avait dit sur la PC Engine qui n'était pas hyper connue, qui peut aussi encore aujourd'hui n'est pas très connue du grand public déjà, mais même des joueurs un peu plus hardcore si on peut dire. Je sais pas si, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui pensent que Tetris est né sur un Game Boy. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Dernière actualité vidéoludique de 87. Là, j'ai noté la création d'un studio, pas n'importe lequel. C'est la création de Maxis. Ah, joli. Non, Maxis, je comprends toujours. Non, attends, looping. Que se passe-t-il, looping? Je comprends toujours. C'est SimCity ou Civilization? SimCity. SimCity. Mais attends, ah, voilà, l'occasion aussi de rappeler certaines choses parce que, exactement, Maxis, on pense à SimCity, on pense aux Sims, on pense récemment à Sport. Mais il faut aussi se rappeler que Maxis avait connu une bonne époque où il voulait mettre un peu le mot Sim un peu sur tous les jeux. Parce que j'ai quand même noté des noms comme SimEarth, SimHunt, SimTower ou le meilleur Street of SimCity. Qui était un jeu en 3D de bagnole où tu devais tout détruire dans SimCity et customiser tes voitures en mettant des missiles dessus. Voilà. C'était sur PC et DOS, ça, non? Ah bah oui, là, c'était la foire à la saucisse. Hein, j'ai envie de dire, ils rachetaient un peu tout et n'importe quoi, ils rajoutaient Sim devant, voilà. Mais comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et en 87, j'ai noté la naissance d'une actrice qui, aujourd'hui, fait du jeu vidéo, la naissance d'Ellen Page. Ah ouais. Donc, vu que Oz et Mitya n'ont pas réagi, je rappelle que Ellen Page, Juno, Inception et bientôt Beyond Quantic Dream. Qui est l'air très bien. Pas de commentaire sur David Cage, s'il vous plaît. Aucun commentaire sur David Cage, mais on va rester dans le cinéma et on va parler aussi de la mort. On a dit pas de commentaire sur David Cage. Parce que 87, c'était aussi la mort d'un de nos ténors du cinéma français. C'était la mort de Lino Ventura. Ah, punaise, oui. J'ai vu récemment Garde à vue. Oui. Et bon sang, mais quel film, quoi. Voilà. Ah. Bon. Petite minute. Un grand monsieur. Pour finir sur 87, j'ai envie de noter un chiffre, parce que j'aime bien les chiffres, un chiffre assez marrant. En 1987, messieurs, saviez-vous à combien s'élevait le nombre de domaines sur Internet? Allez, donnez-moi un petit chiffre. Allez, 10 000. Moi je dirais 50 000. Bon, tu peux arrêter, je pense que Soubi mérite la palme d'or puisqu'effectivement en 1987 le nombre de noms de domaine recensés sur internet passait la barre symbolique des 10 000. Quand même hein,
Je suis impressionné, hein. Je pensais pas. T'es en 87, ça, c'est quand même vieux, c'est quand même petit. En 87, hein. Je faisais 36-15 ULA, je faisais 36-15 SOS Nintendo, mais c'est tout quoi. Ah ouais, ouais, attends, c'est... moi je suis impressionné. Il y avait 36-15 Amstrad aussi qui coûtait une blinde. Pour télécharger des jeux, ouais. J'avais vu le chiffre, mais on n'est pas genre à 500 millions aujourd'hui ou un truc dans le genre. Enfin, un truc assez énorme. Mais comme l'a laissé entendre Mika, je pense aussi que la statistique intéressante aurait été de savoir sur les 10 000 combien y avait-il de sites porno. Surtout le porno en 87. Ah oui. C'est tout ce qui se passait d'intéressant pour cette émission en 1987. Et on se lance dans le gros du débat avec Double Dragon 1987 en arcade. Et donc Looping, toi qui as réussi à finir cette bande d'arcade en étant un double bourgeois, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Double Dragon de Technos? J'ai réussi à le finir, mais j'ai quand même claqué de l'argent. Ah bah j'imagine. Hein. Oui, d'où le double bourgeois. Parce qu'on sait comment tu joues, hein. On sait que t'as claqué de l'argent. T'as claqué le double pognon. Les pièces de 10 francs, ça devait être des pièces de 10 francs, je pense, à l'époque. Ouais. Ça pleuvait, hein. Enfin bon. Donc, Double Dragon, c'est un beat'em all, ou beat'em up, hein, comme on le veut, comme on souhaite le dire. Ouais. Ce qui a même été, on va dire, la référence du genre, Double Dragon, je pense, après Renegade. Oui. Hein, on est d'accord. On va dire Kunio-kun, Renegade. Voilà, c'est ça. La petite histoire du jeu, c'est qu'on incarne deux personnages, ouais. Donc, qui sont Billy et Jimmy. Donc Billy et Jimmy Lee, c'est des frères. Alors je pense que c'est des frères jumeaux, parce que vu quand tu vois les avatars, ils se ressemblent énormément, et je crois que c'est le cas, hein, il me semble, dans le jeu. Oui. Si mes compères peuvent acquiescer. Bah, ils ont juste pas la même couleur de cheveux, mais sur Amstrad, ils sont rigoureusement identiques. T'en as un qui est bleu et l'autre, il est bleu ciel. Alors voilà, super, c'est super pratique. Ce sont deux jumeaux qui se partagent la même meuf. Dans la version arcade, en fait, le premier joueur incarne Billy, c'est le joueur bleu, et le deuxième joueur incarne Jimmy, qui est le joueur qui est donc son frère, qui est le joueur rouge. Oui. Et en fait, le pitch, c'est tout simplement la petite amie de Billy qui s'appelle Marion, qui se fait kidnapper. Par un gang en fait qui est dirigé par Willy le chef du gang des alors il y a deux en fait le gang en version européenne s'appelle les Black Shadow, et en version japonaise c'est les Black Warrior, ouais. Donc Warrior, je pense que c'est une référence au film, voilà, The Warrior. Mais la petite coquine là, Marion là, qui se tape les deux frangins là, en se faisant kidnapper par Attends, elle se tape pas les deux frangins. Ah bon. Elle, c'est la pire, on lui laisse pas le choix. Voilà. C'est la petite amie de Billy, et en fait, quand le jeu démarre, alors on va partir sur le début du jeu, le jeu démarre, tu vois, t'es devant un garage, et en fait, tu vois la jeune fille, jupette, ras la casquette, machin. Ah, il est bon, ouais. Voilà. Elle prend un coup de poing dans le ventre par un des gars du gang. Du gang, ouais. Voilà, il la met sur son épaule, et puis il se barre. Alors, moi j'ai une question, parce que je pense que beaucoup de gens. Est-ce que quand Marion se fait frapper, est-ce qu'elle a le même rictus que Marion Cotillard dans Darknet? C'est un tas de pixels, alors. Tu Marion Cotillard Buzz. Ça mérite un buzz. Voilà, c'est bon. Voilà, et à partir de ce moment-là, t'as le garage qui s'ouvre, et ton personnage sort du garage. D'ailleurs, dans le garage, on voit. Je te coupe encore une fois, ça veut dire que Billy, cette grosse flippette, a attendu que Marion se fasse dégommer ça. Avant d'ouvrir la porte du garage, c'est ça? Tout à fait, tout d'accord. À fait, c'est ce qui est hallucinant d'ailleurs. Mais bon, très courageux. Voilà, et donc une fois le garage ouvert, les personnages sortent, et à partir de ce moment-là, donc c'est un beat'em all à scrolling vertical. Horizontal, avec de la profondeur. Ce qui était assez nouveau pour l'époque. Oui. Tu pouvais aller d'avant en arrière, au fond de l'écran, je veux dire. Ouais, t'étais pas sur une seule ligne, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. D'accord. Puis il me semble aussi, là on va pouvoir se lancer dans le gameplay, que c'était pas aussi que en ligne droite, on pouvait monter de temps en temps via des échelles et trucs comme ça aussi.
C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Tu pouvais escalader. Tu pouvais tomber aussi. Tu pouvais tomber et te faire mal aussi. Alors parlons un peu de ce gameplay. Là, on a parlé un peu de cette histoire totalement hallucinante de deux flippettes qui laissent leur copine se faire tabasser dans la rue. Qu'est-ce qu'ils faisaient de ce gameplay? Je vais te lancer toi, Oz. Qu'est-ce qu'ils faisaient de ce gameplay de Double Dragon? Quelque chose d'important et d'intéressant pour les joueurs pour que finalement ça fasse de jeu un très grand jeu qui restait dans l'histoire? Alors. Faut savoir que Double Dragon, à la base, bon, c'est pas tout à fait le premier jeu de premier beat'em up à profondeur. Il y avait eu déjà Konyukun, Neketsuko wa Konyukun, Renegade en Occident qui a de test gameplay. Et en fait, Double Dragon, c'est une sorte de suite non officielle, mais qui s'appuie en fait sur tout, qui a corrigé tous les points négatifs, tous les défauts de Konyukun. Au niveau de la maniabilité, en fait, le système évolue un peu par rapport à Konyukun. On aura l'occasion d'en reparler par rapport au Double Dragon 2. Ouais. C'est qu'ici, dans Double Dragon, il y a trois boutons, un bouton de saut, un bouton de poing et un bouton pour les coups de pied. Donc, quelque part, c'est relativement simple. On retrouve les systèmes de combo, quand on frappe les ennemis, on peut enchaîner plusieurs coups, ce qui était vraiment nouveau à l'époque, mis à part justement dans Konyukun. Et il y a la grosse nouveauté, c'est vraiment Double Dragon qui l'a inventé, c'est le fait de pouvoir récupérer les armes que les ennemis laissent tomber. D'accord, ouais, donc la différence par rapport à Renegade, en fait, c'était que là, il y avait un bouton, les boutons étaient spécifiques à des actions, c'est ça? Voilà, bouton poing, bouton pied, alors que dans Renegade, on en reparlera plutôt tout à l'heure pour Double Dragon 2, c'est qu'il y avait plutôt, la maniabilité était différente justement, ce qui a justement provoqué certains troubles, enfin certaines gênes pour certains joueurs. D'accord, ça a provoqué une fissure dans l'espace-temps. Tu dis que pour la première fois dans un beat'em up, on pouvait ramasser les armes de ses ennemis. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce détail qui fait quand même toute la différence? Le détail, c'est que... Très rapidement, dans le premier niveau, de toute façon, il y a des ennemis qui arrivent avec... je sais plus si c'est la matraque, les madames avec les fouets, ou les mecs avec leurs... Les madames avec des fouets, comme tu dis, ça me... Oui, j'ai pas vu. Très poli. En salle d'arcade, on disait pas des madames. Attention, fais gaffe, il y a la madame avec un fouet. Mais voilà, bon, il y a le fait d'avoir ces armes-là, c'est vrai que ça rajoute... au niveau du gameplay, c'est pas phénoménal, il n'y a pas de grand changement par rapport au fait de frapper au poing ou au pied, mais c'est vrai que ça, c'est assez excitant quand même. Comme c'est, dirait Subi, ça te donne un sentiment de puissance. Puissance. On se cognait pour avoir la batte, parce qu'il y avait le tirami, c'est-à-dire, voilà, tout à fait, tu pouvais cogner ton pote, donc si ton pote, il avait la batte, tu lui mettais une droite et tu ramassais la batte. Et je me rends compte qu'on a oublié de dire un truc super important, c'est qu'en fait Double Dragon, c'est tout simplement le premier beat'em up où on joue à deux. Konyukun, avant, on jouait qu'à un. Et voilà, le truc, c'est que là, ils se sont dit, tiens, ce serait bien qu'on puisse se foutre soigneusement sur la gueule, mais à deux, quoi. En fait, pour résumer, c'est par exemple dans l'œuvre de Kishimoto, enfin de Florent Gorge, il résumait très bien où il disait que les vraies différences entre Konyukun et justement Double Dragon, c'est en gros, il y en avait trois vraiment marquantes. Tu avais le fait que tu joues à deux, le fait que tu ramasses tes armes et le fait que tu aies un scrolling horizontal. Parce que dans Konyukun, pareil, t'as pas de scrolling. C'est des écrans. C'est que des écrans. D'accord. Et ce qui fait que c'est à partir de ce moment-là où, pour indiquer aux joueurs qu'il fallait qu'il aille de gauche à droite et qu'il y avait un scrolling, c'est à partir de là qu'il y a le pouce. Ouais. Qui est apparu pour dire va à droite. Et en parlant du scrolling, il y a d'ailleurs une mise en scène tout au long des différents niveaux de Double Dragon, parce que si on regarde les je sais plus si c'est 4 ou 5 niveaux, en fait ils s'enchaînent vraiment sans coupure. C'est un tableau continuel. Ça a été réfléchi de manière plus ou moins cinématographique, quoi. C'est l'histoire de pouvoir raconter l'histoire du jeu de manière visuelle. D'accord, donc c'est sur Double Dragon qu'on a eu la première fois le ding 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 ding. Exactement. Et ce qui montre à quel point les développeurs sont fainéants, puisqu'ils ont repris ça pendant des dizaines d'années en disant que les joueurs étaient visiblement trop débiles pour comprendre qu'aujourd'hui ils pouvaient continuer tout droit. Trois grosses nouveautés pour cet épisode arcade. Est-ce que là on peut vraiment s'intéresser à... aux différences qu'il y a eu avec les versions NES, bon Amstrad on n'en parle pas, Mika on pourra même revenir un peu sur une version Game Boy, pourquoi pas. Looping, toi, est-ce que le jeu arcade était beau, est-ce qu'il pétait sa mère à l'époque? Ah mais graphiquement c'était hallucinant, parce qu'en 87
Donc moi, on va dire, j'ai dû y jouer en 80, parce que c'était en France, donc en 88 ou en 89, j'imagine. Bah ouais, non. 98. Voilà, non, on n'a pas dû avoir la borne tout de suite en France. Ouais. Mais moi, donc c'était à l'époque où j'avais la NES, mais il n'y avait pas photo, quoi. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai claqué autant d'argent, c'est que graphiquement. Alors, il n'y a qu'un reproche que je fais. Ça me choquait moins avant, mais maintenant, en fait les personnages, ils ont des jambes très fines, ouais, c'est qu'ils ont le corps qui fait un V, en fait, vraiment, quoi. Et mais sinon, à part ça, c'est les ennemis, bon, les ennemis se répètent un peu, c'est un peu les mêmes, mais il y a un ennemi qui est très connu qui s'appelle Abobo, c'est la grosse boule de muscles. Voilà, il est hyper, hyper gonflé et tout, et il est devenu culte, ce personnage. Mmh. J'adore Abobo, hein, franchement. Ouais. Je crois qu'il est limite plus connu des fois que... Bah, surtout qu'il a eu droit à son jeu récemment, quoi. Voilà, ouais, tout à fait, le jeu Flash. Et bon, même le chef du gang à la fin avec sa mitraillette, tu vois, il a la barbe naissante sur le visage. Enfin, c'était quand même il y avait le dernier niveau, donc au total il y a quatre missions, quatre niveaux. Mm-hmm. Et le dernier niveau, ça se passe dans une sorte de base, une sorte de temple, on va dire. Mm-hmm. Et là, graphiquement, ça pète, quoi. T'arrives dans la salle de où il y a le boss, tapis rouge, t'as la fille qui est accrochée, Marion qui est accrochée, qui est pendue en fait, comme un saucisson au mur. Et le l'image boss, de la femme, elle en prend un coup dans le jeu. Ah ouais, bah ouais, ouais. Non, mais vraiment, ça a envoyé du lourd. Hein. Enfin, et mais moi, c'était fluide, c'était techniquement, ça passait bien. Ah. Parce que quand tu nous parles du défaut, tu dis qu'il a les jambes faibles. Je pense que nous tous, on pensait pas que tu allais nous parler de ça comme défaut. Hein. Ouais. Mikado va peut-être en parler, il y a un gros défaut. En fait, on a eu la chance d'y rejouer ensemble cet été pour préparer un peu les émissions. Et je fais looping, il y a un problème, ça lag chez moi. Et en fait, il me dit ouais, moi aussi. Alors, on pensait que c'était une histoire de configuration parce que le jeu, en fait, dès qu'il y a un ennemi à l'écran ou plusieurs ennemis, mais ça lag, mais c'est hallucinant, quoi. C'est limite injouable. Alors qu'à l'époque, moi, ça m'avait absolument pas marqué, quoi. Et de fait, j'ai regardé un petit peu sur Internet et en fait, il s'avère que le jeu était absolument pas optimisé. Et du coup, quand tu te retrouves seul à l'écran, t'as l'impression que le jeu, tu sais, il joue en accéléré. Et pendant les 2-3 secondes où entre guillemets, il se recadre, ou enfin, je sais pas comment on doit nommer ça. Quand tu dis pas optimisé, c'est surtout qu'à l'époque, ils ont, par rapport à la technologie de l'époque, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont voulu faire le jeu le plus beau. Et puis bon, malheureusement, il faut que ça pêche quelque part, ça pêche en animation. Mais c'est là que tu comprends en 90 pourquoi Capcom a viré le mode de joueur de Final Fight, tu vois. celle-là, le troll gratuit, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Dire, non, mais plutôt que d'avoir un jeu à 5 FPS... Bah on était indulgents parce que graphiquement on n'avait jamais vu ça, donc tu vois, moi j'avais pas du tout ce souvenir là. Et j'ai envie de dire fanboy. Ou alors, non, mais de toute façon, vous étiez dans un bar, je pense que vous aviez un coup dans le nez, que vous voyiez pas les images. De toute manière, quand on jouait en arcade, c'était toujours mieux que quand on jouait à la maison sur nos consoles. Pour être honnête, je pense que c'est aussi une question de comparatif. Tu sais, quand t'es jeune, là t'es môme et tout, t'as pas joué à beaucoup de jeux, donc tu peux pas forcément avoir la comparaison. Moi j'ai eu le même phénomène, c'était quand je jouais à Jet Force Gemini sur Nintendo 64. À l'époque, il y avait rien qui m'avait particulièrement choqué et je l'avais relancé il y a pas longtemps. Et pareil, le framerate, il est régulièrement à la ramasse et ça m'a choqué, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je l'ai pas vu à l'époque, et pourtant ça m'avait pas du tout dérangé. C'est curieux, hein. Toi, Mika, toi qui as connu une version ultra speed sur Amstrad, qu'on taille un peu la version arcade. Non, écoute, je t'invite à regarder une vidéo du premier et encore plus du second. Mm-hmm. Mais techniquement, on en parlait l'autre jour avec Looping, parce que Subi, je pense qu'il est absolument pas d'accord. Mais techniquement, comment je le tripais, ce jeu-là, quoi. Je le trouvais vraiment, mais très bien fait. Et tu le regardes aujourd'hui, bon, évidemment, c'est pas Double Dragon Arcade ou quoi, mais je me souviens qu'à l'époque, il me faisait saliver, quoi. Et le seul truc, vraiment, comme j'ai dit en début d'émission, qui, même à l'époque, me gênait, c'est que déjà, c'était deux blonds.
habillé en bleu, et genre il y a une nuance de bleu qui les différencie, quoi. Mais à peine, quoi. Mais tu sais, c'est pas genre il y a le bonhomme bleu, le bonhomme rouge, c'est un bleu et un bleu un tout petit peu plus pâle, quoi. Mais c'est voilà. La seule version que t'as faite de Double Dragon, cette arcade, cette version Amstrad. Bah non, mais bon, j'ai joué un très peu à la version NES, donc je laisserai mes collègues en parler. En revanche, moi, j'avais joué à la version Game Boy, qui de mémoire, je dis peut-être une bêtise, était une adaptation de la version NES, qui est une adaptation de la version arcade, mais pas la chose. Enfin bon, on va y revenir. Elles sont toutes un petit peu différentes. Hein. Ouais. C'est un joyeux bordel. Ouais, mais de mémoire, il me semble que les versions NES, elles sont plus proches que les jeux, tu sais, avec le graphisme de Kunio-kun. Non, la version... En tout cas, ça me faisait penser à ça, notamment le jeu Super Soccer. Là. Tu confonds pas avec le jeu Street Gang ? Non. Pas bon, non, pas. Voilà, donc tout ça pour dire que, en revanche, la version Game Boy, je l'ai trouvée sublissée, mais elle m'a sauvé des vacances extrêmement passionnantes chez mes grands-parents, quoi. Donc, vu que tu le dis que c'était une adaptation de la version NES, toi, Subi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire rapidement sur cette version NES ? Visiblement, c'était pas la même version que la version arcade, bon, graphiquement, sans doute, mais est-ce qu'il y avait d'autres différences autres ? Alors, de souvenir, parce que pareil, le problème, c'est que j'allais jamais très loin dans les Double Dragons, parce que je trouvais ça très dur, surtout à l'époque. Donc, le level design plus qui changeait, mais en soi, tu retrouvais un peu les mêmes décors, tu sais, le même... Même nombre de niveaux, même gameplay. Alors, je sais plus si on a 4 ou 5 sur... sur NES. Nombre de niveaux, il me semble qu'il y en a 4. Ouais. Et donc voilà, en fait, les différences se font plus vraiment au niveau du level design. Sinon, tout le mécanisme en lui-même est vraiment assez similaire, quoi. Attention, sur le gameplay, il y a une petite différence. Il y a un système d'expérience qui apparaît sur le gameplay. Sur version NES ? Ouais, au fur et à mesure que tu affrontes les ennemis. Enfin, je sais pas comment ça évolue, si c'est avec les points. Tu gagnes des cœurs, et en fonction des cœurs, plus t'as de cœurs, plus tu as de combos qui se développent pour le personnage. D'accord. Ouais. Les cœurs, c'est pas de la vie, quoi. C'est juste. Non, t'as la vie, qui représente, comme le jeu d'arcade, la vie est représentée par des carrés, par 5 carrés. Ouais. Et tu démarres en fait avec, je crois, un cœur. Et donc, tu peux faire coup de poing, coup de pied, et tu peux sauter, mais quand tu sautes, t'as pas de coup. Mm-hmm. Et après, quand tu as gagné un certain nombre de points en affrontant les ennemis, t'as un deuxième cœur qui apparaît, et en fait, ça débloque de nouveaux coups pour le personnage. Et tu peux perdre ces cœurs ? Non, parce que quand tu meurs, finalement, tu restes au même niveau de cœur. D'accord. Mais par exemple, au départ, t'as pas le coup de pied sauté. Le coup de pied sauté est débloqué à un certain moment. Et tu le débloques par le combat ou par l'histoire, en fait ? Parce que c'est par l'histoire, on s'en fout. Non, c'est par le combat. Je pense que c'est. J'ai pas approfondi, mais je pense que c'est en fonction du nombre de points que tu as. Par le scoring, ok. C'était bien cette profondeur, ça. Ouais. Moi, ce que je me rappelle surtout à l'époque, qui était assez intéressant, c'était la différence un peu entre la version Master System et la version NES. Parce qu'en fait, la version Master System est sortie avant, parce que c'est Sega qui avait poussé justement pour avoir cette licence, parce que du coup, c'était quelque chose où ils savaient qu'ils allaient pouvoir en vendre un gros paquet vu le succès de l'arcade. Ouais. Et chez nous, la version NES, donc de Double Dragon, la première, est sortie après Double Dragon 2. Ouais, Double Dragon 2 NES. C'est Georges Lucas qui s'est occupé de la sortie. T'as Double Dragon 2 NES qui est sorti avant Double Dragon NES, ce qui est quand même assez bizarre. Ah ouais. Et moi, je me rappelle, entre la Master et la NES, même si la version Master System était beaucoup plus jolie, je l'aimais beaucoup moins, parce qu'en fait, quand tu donnes des coups de pied sur la version Master System, je sais pas pourquoi, mais le sprite, il donne un coup de pied limite en oblique. Ce qui fait que ta portée, elle est mais ridicule. Alors que normalement, le coup de pied dans Double Dragon, c'est vraiment, il est perpendiculaire. Et ce qui fait que je trouve la version Master System limite injouable, dans le sens où tu en prends toujours plein la gueule. Parce que dès que tu veux faire un coup de pied, bah, tu sais, c'est genre, tu fais le ciseau Van Damme, quoi. Et il y a autre chose, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi à l'époque, je sais que lorsqu'un jeu sortait sur une console, hein, que ce soit la Mega Drive par exemple, et que c'était une adaptation d'un jeu d'arcade, systématiquement j'étais déçu, parce que si l'adaptation était trop fidèle, ben, tu voyais clairement que la version console elle était pourrie par rapport à la version arcade. Et l'avantage justement des versions Nintendo, donc NES et Game Boy, c'est qu'ils ont pas cherché en fait à coller au jeu d'arcade, ils ont cherché en fait à adapter un petit peu par rapport au support. C'est pour ça, comme le disait Soubi, que par exemple pour la version NES, il y a quelques phases de plateforme qu'il n'y a pas dans la version arcade, donc le jeu est un petit peu différent,
mais il reste très bon quoi. Mais la version, enfin le double, moi j'ai essayé la version NES de Double Dragon 1. Par contre, clignotement de sprite, c'est catastrophique. C'est épileptique. Hein, Ouais, catastrophique. Et encore parce que c'est pas sur le 1 que c'est le plus violent. Hein. On y vient puisque, comme tu l'as dit, la version NES de Double Dragon 1 est sortie après la version, enfin après la le deuxième NES. Épisode. Ouais. Donc lançons-nous directement dans ce Double Dragon 2, qui visiblement est un des jeux de la saga sur lequel vous avez passé le plus de temps. Soubi, je te lance sur Double Dragon 2 sur NES. Bah, c'est vraiment, on va dire, l'épisode de Double Dragon sur lequel j'ai le plus joué dans ma jeunesse avec mon cousin. Ouais. Il était vraiment... moi, je le trouvais beau à l'époque parce que j'avais pas pratiqué la version arcade. Il était vachement sympa. Alors, par contre... On revenait au gameplay donc type Kunio-kun où avec du coup tu donnais les coups en fonction de la direction que tu avais. Donc quand tu t'étais à droite, tu appuyais sur un des boutons, ça donnait un coup de poing. Si tu appuyais sur l'autre, tu donnais un coup de pied en arrière et inversement. Ouais. D'accord. Donc l'idée c'est que c'était pour réduire une latence par rapport à te retourner le personnage et donner le coup, ce qui fait que tu devais faire deux actions, alors que là en une tu gagnais finalement du temps, mais d'accord. Honnêtement c'est quand même assez déstabilisant. La version NES, enfin de cette version, enfin de Double Dragon 2, j'en garde véritablement un souvenir. Pour il y a une séquence qui est vraiment marquante. C'est quand t'es dans, je crois que c'est un hélico, à un moment tu te retrouves, t'es enfermé dedans, et on était deux joueurs classiques, et du coup t'as des ennemis qui arrivent par vague, t'as la porte qui s'ouvre de l'hélico, et en fait t'es aspiré par la porte. Ouais. Et en fait, si jamais tu sortais de cette porte-là, tu perdais une vie directe. Et c'était un truc... C'est une torture, c'est une torture. Si tu veux, c'est à l'image du niveau du barrage de Tortue Ninja, quand t'es sous l'eau. Ça te marque quasiment de manière aussi puissante que ce niveau-là, quoi. À ce point-là. Ah ouais, non, mais pour ceux qui l'ont pratiqué, ils connaissent forcément le passage dans l'hélico avec la porte qui t'aspire, quoi. Ouais. Passage qui n'était pas dans la version arcade, d'ailleurs. Non, qui n'était pas du tout. Mais là, c'est pas du tout les mêmes jeux. Hein. Voilà, là, on commençait vraiment à avoir une différence plus que marquée entre les. On va dire qu'il y a deux séries qui se séparaient, quoi. Justement, Looping, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette version arcade de Double Dragon 2? Alors, la version arcade de Double Dragon 2, en fait, c'est. Tu reprends le 1. Oui. C'est le même jeu, sauf avec des graphismes différents, parce qu'il y a eu un an d'écart entre les deux jeux, donc ils ont essayé de pousser un peu le graphisme, relooker un peu les persos. D'ailleurs, à Bobo, il a une perruque. Normalement, il est chauve, là, il a une sorte de perruque sur la tête. C'est un abobo afro. Ah ouais, je te jure, c'est un truc de dingue. Et alors là, il y a une petite différence, c'est que Marion, elle est pas kidnappée, elle est tuée direct. Elle se prend une balle. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle meurt de la même façon que... Non, non, celle-là joue mieux. C'est parce qu'il venait de boire Batman, en fait, c'est pour ça qu'il l'a tué direct. Ah ouais, dès le début du jeu, elle prend une balle devant le garage encore, et puis toi, t'es encore dans le garage. Non, mais c'est très marrant, c'est du genre, tu vois Marion devant le garage, tu fais « Oh, et ils nous refont le même truc que l'année dernière. » Bam ! Elle prend une balle. Ouais, c'est ça. Oh, la subversion ! Les mecs sont cachés là, à la porte du garage, tu vas voir, cette fois, ils vont pas nous l'enlever, tu vois, on va les avoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, frérot ? Donc en fait, là, c'est de la vengeance, quoi, Double Dragon 2. Bah, il s'appelle The Revenge. Ah, ouais. Ah mais franchement, t'as vu ça? T'as vu le truc un peu? Hein? Si c'est pas du marketing de vous. Moi je trouvais qu'il était quand même plus beau. Dans mes souvenirs, quand on y a rejoué cet été, je fais quand même, il est vachement plus beau, quoi. Et par rapport au gameplay Looping, est-ce que là c'était la même différence par rapport à la version NES? Est-ce qu'ils ont repris le gameplay de Kunio-kun? Oui, tout à fait. Ils ont pris la même chose. Il y a aussi un coup supplémentaire, c'est-à-dire une sorte de quand tu sautes en l'air, tu fais un tourbillon un peu à la Ryu dans Street Fighter. J'ai retrouvé sur NES comment on le faisait, ce super coup. Et en fait, déjà sur NES, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a deux boutons, on n'a pas le troisième bouton pour le saut. Donc il fallait déjà appuyer sur les deux boutons pour sauter, ce qui n'était pas facile. Et en plus, là, le truc, il fallait appuyer rapidement pendant le saut sur un bouton attaque pour pouvoir faire la balayette. Et honnêtement, même moi, là, je l'ai reconfiguré avec une manette turbo. Et même avec une manette turbo, tu réussis peut-être une fois sur trois à faire le truc. Donc c'est dur. Il y a un mois, il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans ce jeu-là, c'était la taille des ennemis. Notamment, il y avait un boss qui me faisait triper.
C'était le second boss dans Double Dragon 2. En fait, c'était Terminator. Mais écoute bien, habillé en bavarois, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas, avec des bretelles et tout. Mais quand enfin, tu dis pas, ce qui t'a marqué, c'est la taille, c'est qu'ils étaient gros. Ouais, et puis bien fait en plus, quoi. Mais c'était mais en là... mode Punch-Out. Ouais, ça avait un peu grossier, ouais, limite un peu grossier. Enfin... Ouais, complètement. Mais ce qui était assez dément, c'est quand bon, on était un peu dans la période où Terminator, tout ça, oui. C'était un peu à la mode et tout. Mm. Et là, tu vois Terminator qui se pointe habillé en bavarois, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'avait fait mais triper, quoi. Vraiment. Ils avaient rajouté aussi quelques armes par rapport au 1. T'avais une pelle, t'avais des rondins de bois, t'avais des boulets en fer. Enfin, ouais, ils ont rajouté quelques trucs, mais le pire, mais moi vraiment encore, ce qui m'a encore choqué, c'est que le 2 il rame encore plus que le 1. Sur arcade, vraiment. Tu parles de sur arcade. Oui, il je parle d'arcade. Il est plus beau, donc forcément il va ramer. Ah ouais, mais les mecs ont une super bonne idée, quoi. Le 1 ramait déjà, les gars ils font, les 2, on le fait encore plus beau. Ah, non, donc ça va ramer, patron. M'en fous. Les gosses, ils s'en foutent, ils sont dans les bars, ils verront jamais ça. Allez. Mais cela dit, il y a encore. Enfin, on disait que pour la version NES, il y avait le niveau dans l'hélicoptère qui était traumatisant. Mais là, dans le 2, il y a quand même un niveau, il y a un passage qui est assez cool en arcade. Mmh. C'est le passage de la moissonneuse batteuse. Oui, ouais. Là, quand même, quand il arrive la première fois, tu dis, oh, elle est bien dessinée, la moissonneuse, elle est cool. Enfin, déjà, t'as un niveau qui se passe dans les champs de blé. D'accord. Et puis, quand tu te bats et que tu vois que t'as la moissonneuse qui est en profondeur et qu'elle s'avance vers toi et que tu peux pas l'éviter. Ah, c'était une torture, ça aussi, hein. C'était une punition. Ouais. Hein. Moi, ce qui est aussi pareil, je parle anecdote, c'est le premier boss, tu sais, ça me faisait penser au méchant que tu pouvais voir dans Ken le survivant. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un. Voilà, c'était un mec qui était torse nu avec un espèce de pantalon à la Obélix. Et qui avait un masque. Je sais pas, je trouvais que ça me faisait penser, tu sais, aux méchants pas très futés que tu pouvais te croiser dans le dessin animé de Ken. Avec le même doublage français, j'imagine bien. En quelque sorte. Ah, ouais. Oh, j'ai tué ta copine. Mais sinon, par rapport au gameplay, on a parlé de ces cœurs là qui te permettent d'enchaîner les combos. Et tu parlais d'un nombre d'armes looping qui était rajouté sur le 2. Par rapport à la vie, est-ce qu'on pouvait récolter de la vie sur un peu le truc basique, quoi, des cuisses de poulet, des sandwichs, de l'agneau Dans la version arcade, non. Est-ce qu'il y avait ça dans Double Dragon? Est-ce qu'on pouvait récolter de la vie? Écoute, bonne question, mais non. Ouais, hormis, on en parlera peut-être tout à l'heure rapidement pour le 3 en arcade, il me semble que ni en arcade pour le 1, le 2 et ni sur les versions consoles, on peut ramasser de la vie. Non. Hormis les armes, je crois qu'on peut pas ramasser d'objets. Ouais. C'est un jeu badass, quoi. C'est un jeu réaliste, quoi. Tu rattrapes pas de la vie en mangeant un poulet que t'as trouvé sous la poubelle. D'ailleurs, là-dessus, il y avait une subtilité sur les versions NES, parce que le premier, quand tu mourais, tu recommençais peut-être pas tout le temps au début du stage, mais en tout cas, tu recommençais un tronçon. Ouais. Alors qu'à partir du 2, tu revenais vraiment comme en arcade, où on va dire t'as un crédit, où quand tu perds une vie, tu recommences exactement là où t'es, enfin, l'action ne se coupe pas. Ouais. Par contre, vraiment, le premier sur NES, tu revois stage 1 ou stage 2, et tu reprends. Ce qui fait que pour les boss, bah, mine de rien, c'était vachement plus tendu, parce que t'étais vraiment obligé de le faire en maximum, on va dire, une vie, quoi. Ouais, bah, surtout si tu pouvais pas récolter de la vie. Et c'était le même cas pour la version Game Boy, le premier Game Boy. Alors, juste pour finir, pour la version arcade de Double Dragon 2, il y a un truc qui est très curieux, que j'ai trouvé très curieux, c'est que le deuxième joueur, il est blanc. Donc, dans le 1, il est rouge, et comme on le sait, le deuxième joueur est toujours rouge dans Double Dragon. Dans le 3, il sera rouge, et dans le 2, il est blanc. Donc, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce code couleur, mais bon, sauf en Amstrad, hein, ils sont bleus. Bah, justement, je fais petite référence à Amstrad. Autant le premier sur Amstrad, il était plutôt convenable, sans plus. Mais alors, le second, techniquement, je pense qu'il repoussait la machine au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Quoi. À ce point-là? Ah, mais tu le regardes aujourd'hui, tu dis bon d'accord, mais remets-toi. Oh, ça veut tout dire. Remets-toi à l'époque, et là tu dis putain, c'est vachement bien fait, quoi. Un peu comme on pouvait voir Final Fight, sauf qu'il était pour le coup pas trop mal optimisé dans mes souvenirs. Ouais. Alors, moi j'ai une question un peu parce que, bon, Double Dragon, comme on dit, c'est une licence hyper connue et elle est aussi très connue pour sa fin. Je comprends la fin du 1 où si on joue à 2, à la fin on doit Attends, c'est spoil ça, non? C'est plus spoil.
Mais, c'est plus du spoil à ce point-là, mais ça fait partie de l'histoire vidéoludique. Si dans le 1, on pouvait se foutre sur la gueule pour récupérer Marion, dans le 2, est-ce qu'il y avait un délire de nécrophilie ou qu'est-ce qui se passait? C'était quoi le plan? C'est quoi le projet? Alors, dans le 2, écoute, je sais que quand t'es en solo, tu affrontes ton double, c'est-à-dire ton espèce de moi, de toi maléfique. Il téléporte, qui est pénible. Voilà, par contre, en deux joueurs, là, je ne peux pas vous dire, les gars, si vous le savez. Je suis jamais allé aussi loin, surtout les gars. Donc, j'imagine qu'il y a une baston finale quand même entre les deux. Oui, mais quel est l'objectif, quoi? La gloire. D'accord. Mais, par contre, il me semble que sur la version NES, finalement, ils font un cliffhanger où elle est pas morte à la fin du 2 pour pouvoir faire le 3 NES. Oh la vache! Un cliffhanger. De toute façon, à partir du 2, ça part dans tous les sens. Hein. Ah, ça devient Lost. D'accord, donc c'est pour ça que Marion Cotillard joue aussi mal, c'est qu'en fait. Mais c'est pas possible! Vous avez essentiellement préféré cette version 2, elle était. Même s'il y a eu la différence de gameplay de Kunio Kun ou Subi a dit que c'était assez déstabilisant à prendre en main, finalement c'était encore mieux que le 1, c'est ça? Bah à l'époque, hein, je te parle avec mes yeux d'enfant, j'y jouais vraiment Oui, s'il te plaît. Okay. Donc à l'époque, avec mes yeux d'enfant, je jouais à la. J'avais pu comparer les deux. Et évidemment, j'ai beaucoup plus joué au second. Et en plus, pour avoir testé plus tard les versions arcade, je trouvais que les boss, enfin les personnages, étaient un peu plus différents que le hobo décliné en Hulk, en décliné en Barracuda, décliné en machin que tu pouvais voir dans le premier. Quoi. Ouais. Donc c'était une meilleure expérience, vous en conviendrez, messieurs. Ouais. Pour la NES, ça reste la référence du beat'em all, Double Dragon 2. Mmh. Après, si je dois parler des versions arcade, je préfère la version Double Dragon 1 que Double Dragon 2. Ouais. Pourquoi ça? Parce que je trouve que le 2 il rame. Question de feeling, question de. Non, mais il rame. Jouez-y, vous verrez. D'accord. C'est niveau technique, quoi. Ouais. Mais ce qui était mieux sur la version NES, c'est que tu pouvais jouer à deux. Contrairement à la première, au Double Dragon 1, tu savais joueur 1 et si tu mettais deux joueurs, c'était en alternance. C'est là, c'est ça. Aucun intérêt. Quoi. Puis après, je le rappelle que la version NES de Double Dragon 1 est sortie en 91, qu'on pouvait jouer à deux, et que Final Fight sur Super Nintendo est sorti en 90 et qu'on pouvait pas jouer à deux. Bon, on va boucler un peu cette partie sur la version 8 bits de Double Dragon avec le mythique, j'ai envie de dire. Très connu, Double Dragon 3. Messieurs, que s'est-il passé? En fait, le Double Dragon 3, c'est surtout la version arcade qui est mythique. Autant la version NES, c'était encore potable. Tu annonces bien les choses. Elle est bien, elle est vachement bien la version NES. Si t'arrives à voir tes ennemis. Elle est atrocement dure, mais. Bon, messieurs, arrêtons d'être évasifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Looping. Déjà, on a changé de développeur. Ce qui a à mon avis une incidence particulière sur le. Tu veux dire que les développeurs ont une incidence sur la qualité d'un jeu? Là au moins ça se ressent. Parce que ce que tu vois graphiquement, c'est plus le même jeu quoi. C'est je sais pas, c'est pas beau. C'est moche. Il y a eu un concours interne pour. Les mecs, si on demande à des aveugles de faire le design. Allez. Alors, pour parler de la version arcade, donc ça s'appelle The Rosetta Stone, donc la pierre de Rosette. D'accord. Le pitch, c'est qu'il y a une sorte de vieux. De vieux, je sais pas quoi, sorcier qui t'envoie chercher les fragments de la pierre. D'accord. à la limite, tu t'en fiches un peu de l'histoire dans un beat'em all. Mais. Déjà, il y a un truc très particulier dans le jeu, c'est que à chaque début de niveau, il y a des magasins. C'est-à-dire que tu démarres le jeu, il y a un magasin. C'est avec Skid, ton truc ? Un peu, ouais, ça ressemble un peu à ça. Tu peux rentrer dans le magasin avec l'argent que tu as mis dans la borne, tu as de l'argent virtuel, des crédits virtuels. Abusé. Et tu peux acheter de l'énergie, de la vie. Et un truc hallucinant, tu peux acheter des joueurs supplémentaires. Et en fait, le DLC à l'époque, ouais, incroyable. Mais le truc, c'est que en fait, par exemple, donc tu ressors du magasin, t'es avec, si t'es le premier joueur, t'es avec Billy en bleu. Ouais. Par exemple, tu perds toutes tes vies avec Billy, donc tu vas incarner un autre joueur que t'auras acheté au début du niveau, qui correspondra au pays ou dans lequel tu es.
Donc c'est-à-dire que si t'es au Japon, t'auras une sorte de karatéka, voilà. Et si t'es en France, rien à voir. Non, il y a non, je sais plus qu'il y a, mais il y a pas la France. Il y a le Japon, il y a l'Italie, il y a les. Ah, par rapport au pays, par au pays où tu es, tu veux dire dans le niveau. Ouais, voilà. Ah, je croyais que c'était par rapport au pays de la borne, ok. Non. Mais tu dois pouvoir incarner 4-5 personnages. Mais je veux dire, ça avait jamais été fait dans les. Enfin, ça, moi je vois pas. Et ça a jamais été refait depuis. Bah, ouais, non, mais voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi incarner ces personnages, on s'en fiche, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Et puis c'est choquant, pourquoi devoir payer justement pour avoir des options en plus dans le jeu, quoi. Donc, c'est-à-dire que Billy avait combien de points de vie? Je veux dire, il avait des points de vie ou alors finalement. C'est une sorte de. C'est pas un pourcentage, je crois que t'as peut-être 100 points et quand tu prends des coups, t'as un compteur qui diminue. Ouais. Et, quand t'as acheté de la vie dans la boutique, je crois que ça monte à 350. Oui, non, mais en fait, finalement, c'est comme si t'as acheté du crédit. C'est une façon d'intégrer ça, entre guillemets, dans le gameplay. Ça changeait pas grand chose. Si tu mettais pas, tu mettais, on va dire, le crédit là, 10 francs pour faire ta partie. Ouais. Tu mettais tes 10 francs, tu commençais avec Billy, t'avais pas accès aux autres personnages cachés, on va dire, plus ou moins, si tu remettais pas de l'argent dans la borne. Ouais, mais on s'en fout des personnages cachés. Non, mais par exemple, là, ça aurait été vraiment honteux, entre guillemets, si tu pouvais acheter dès le départ, c'est une barre de fer pour 1 franc. Ah mais si, parce que attends, les armes s'achètent. Ah merde, t'as pas tout dit. Ah bah oui. D'accord, oui, bah c'est honteux alors. Ah, oui. Et t'achètes aussi des coups, hein. Au début, ton personnage, il a juste coup de poing, coup de pied, tu peux acheter des nouveaux coups. C'est scandaleux ce truc. Ouais. Non, mais en plus, graphiquement, il est beau, moche. Là, on y a joué cet été, on n'est pas resté longtemps dessus, franchement. Moi, je conseille à beaucoup de monde de le faire parce que moi, je me suis tapé une bonne barre de rire à le faire. Il est très drôle. C'est un étron, quoi. Non, mais faut le faire dans les conditions de l'époque, quoi. Faut foutre du blé dans une corbeille à chaque fois que tu achètes un truc, quoi. Ah ouais. Les vraies conditions de l'époque, c'est que face à ça, t'avais justement Final Fight devant, quoi. Oui. Tu dis comment c'est possible, quoi. Et donc là, c'était la version arcade, donc visiblement. Un naufrage. Avec un scénario proche d'Hudson Hawk. Faut noter que pour Kishimoto, c'est vraiment son œuvre maudite. Il semblerait qu'il s'en soit toujours pas remis. Hein. Il a bossé dessus. Si on doit parler un petit peu plus par rapport au bouquin qui est sorti, il l'a fait parce que c'était une commande du patron de Techno Japan, mais il l'a jamais vraiment assumé. La production, le développement a été sous-traité, je crois, par une équipe. Ouais. Je sais plus, c'était pas en Corée ou un truc comme ça. Il était là pour chapeauter un peu, mais même lui, il le faisait, mais contre son gré. Quoi. En pleurant. Mais c'était exactement ça. Si vous plaît, non. Franchement, quand tu lis dans le bouquin, ça te fait limite de la peine, quoi. Tu vois vraiment le mec qui a été meurtri et. T'as Florent Gorge qui a une anecdote qui raconte justement qu'au tout début, quand il l'a rencontré, il a voulu en fait l'amener dans une. Alors, je sais plus si c'est dans une salle d'arcade, j'ai plus le livre sous les yeux, mais en fait, il a voulu le remettre devant le jeu. Ouais. Mais il savait pas encore justement que Kishimoto reniait complètement cette. C'était un tournoi qui était organisé, un truc dans le genre, et du coup, il a pas voulu rentrer dans la. Quand il a vu que c'était double aventure, c'était traumatisant. Ah non, c'est vraiment. Et franchement, dans le livre, t'as mal au cœur pour lui. Hein. Ah ouais, à ce point. Il y a juste un petit plus, c'est qu'il est jouable à 3 joueurs. Donc, ah ouais. Voilà. Pour payer 3 fois plus, quoi. Ouais. Et par rapport à ça, on a vu qu'il y avait des différences entre les versions arcade et les versions console. Si la version arcade était à ce point mauvaise. Juste comme ça, elle ramait ou pas? Non, ça va. Ça va. C'est pour ça qu'il était moche en fait. Ouais. Il s'est dit, bon les gars, on arrête les frais, on va le faire moche et au moins ça ramera pas. Puis mettez-moi 3 joueurs, allez, on est des fous. Faites-le encore plus moche dans ce cas. Mais en version console, il est sorti sur NES, j'imagine. Mais ça avait rien à voir. Hein. C'était quoi finalement ce Double Dragon 3 NES? C'était plus une suite, on va dire, du 2. Alors. Après le gros cliffhanger du 2, quoi. Ouais, voilà, mais en reprenant un peu les bribes de l'histoire de la version arcade, mais c'est surtout tu retrouvais le gameplay, on va dire. Alors remixé, parce que je crois que de nouveau dans celui-là. T'as de nouveaux points pieds qui sont différenciés. Donc, ils ont repris le gameplay du 1. Il y a les mecs, on rigolait quand on l'a testé. En fait, ils sont en position un peu bizarre. T'as l'impression qu'ils ont envie de pisser tout le temps. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on arrive sur ça? Le vrai souci du jeu. Ah oui, les jambes, oui. Ouais. Le vrai souci du jeu, c'est qu'il est overdure parce que t'as une barre de vie. Et quand t'as perdu, quand t'as perdu ta barre de vie, t'es game over. Ah ouais. Le coup du. En fait, quand tu fais pas bouger ton personnage, il a les jambes croisées, je te promets, t'as l'impression qu'il est. C'est peut-être dans le scénario.
Ah non, mais c'est hallucinant comme c'est mal fait, quoi. Mais, Et, c'est... et le vrai problème, c'est qu'on parlait déjà des versions NES où ça clignotait pas mal dans le 1 et le 2, et dans le 3, c'est vraiment infernal, où des fois, quand tu frappes les ennemis hauts, t'as l'impression de frapper un quart de l'ennemi, ou ouais. une huitième de l'ennemi. Le clipping, il est violent hein, sur cette version. Hein. C'est con, parce que je me rappelle à l'époque, j'avais un pote sur sa NES, donc on avait passé beaucoup de temps sur Double Dragon 2, il avait acheté le 3 également, et on avait été vachement déçus, parce que le jeu, il est beaucoup plus... Enfin, moi, je le trouvais plus beau. Il y a des idées de gameplay qui sont vraiment chouettes dedans. Il y a la possibilité d'utiliser des armes dès le début. Je crois que tu peux sélectionner Ninchaku. Ouais. T'as des nouveaux mouvements pour les personnages, mais bon sang, il est tellement difficile que même avec. Et cette difficulté, elle s'explique par quoi ? Il y avait moins de niveaux, un truc comme ça ? Déjà, non, mais je trouve que les ennemis sont boostés. Ouais. Et le fait que tu n'aies qu'une seule vie. Oui, ouais, évidemment. Mais pourquoi ? Quelle était la contrepartie ? Est-ce que le jeu était plus long ? Est-ce qu'il était. Un peu plus bâclé parce que visiblement t'as l'impression de dire que j'ai l'impression que tu dis que finalement il était dans le gameplay amélioré par rapport aux deux. Donc qu'est-ce qui faisait que finalement il était plus long? C'était juste une bêtise de développeur ou franchement j'en ai aucune idée. C'était un cache-misère pour montrer qu'il y avait que 3 niveaux. Ah, franchement là aucune idée. Par contre justement pour revenir juste sur la difficulté des jeux, moi sur les conseils vraiment de Mikado, j'ai refait les versions Game Boy et le 2. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, quand tu lances le jeu, tu vois ta start ou continue. Et tu dis, tiens, continue dans un beat'em all, c'est super chelou. Ouais. Et en fait, donc, bon, j'ai recommencé au début. Le jeu, quand tu arrives, par exemple, stage 2 ou stage 3, si tu as perdu toutes tes vies, le jeu reboot. Et là, tu peux faire continue et tu reprends au stage 2 avec toutes tes vies ou stage 3 avec toutes tes vies. Ce qui fait que c'est peut-être le premier Double Dragon où je suis allé en premier rush aussi loin. Parce que déjà, t'as plus 3,5 à l'écran maximum, mais que 2. Et en plus, t'as ce système comme ça de continu qui t'aide quand même beaucoup. Mmh. Et dans le 2, ils avaient rajouté, juste pour terminer la parenthèse, ils avaient rajouté un mouvement que je trouvais mortel. En fait, quand tu mets un ennemi à terre, tu arrives, tu appuies sur le bouton attaque et ton bonhomme fait un saut automatique et en gros fait un casse-burne sur le mec en saut, quoi. Et c'est genre la référence à Bruce Lee, quoi. Oui. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça, mais démentiel. Ah là, tu me déçois parce que je pensais que c'était une nouveauté du Double Dragon 3 en arcade. Donc en fait, ça existait déjà dans la version Game Boy du 2. Donc en fait, le 3 arcade, il est vraiment rien pour lui. C'est un peu l'idée. Comme on a vu sur certains jeux, genre Ikari Warriors, on a vu que des fois certaines belles franchises commençaient à diminuer de qualité, à s'essouffler au fil des épisodes. On aurait pu s'attendre à ce que ça fasse à peu près pareil sur Double Dragon, vu ce Double Dragon 3 et le changement de développeur. Mais là, on va se lancer sur la deuxième partie, la dernière partie de cette émission avec l'arrivée de la série sur 16 bits et sur Super Nintendo avec. Évidemment, Super Double Dragon. Messieurs, quel était ce Super Double Dragon, Looping ? Ah c'était pour moi, c'était un de mes jeux préférés de la. Enfin, peut-être pas. Si, ça faisait partie des jeux préférés de mes jeux préférés sur Super Nintendo. De toute façon, ça reste un beat'em all jouable à deux joueurs simultanés. Oh, incroyable. La Super NES était capable de tout. En 92, hein, donc voilà. Mais là, on retournait, on va dire, aux sources. Mais donc, aux sources de quoi ? De Kunio-kun, de Double Dragon 1, non, de Double Dragon 2. Double Dragon 1, mais avec un graphisme, un design complètement différent. Qui a rien à voir avec ce qu'on connaissait de Double Dragon. C'est-à-dire qu'il était beau ? Il était, non, mais le 1 était très beau, mais, non, mais la version Super Nintendo enfin, moi personnellement, je la trouve très belle. Alors, en ayant lu 2-3 trucs sur internet, il y a beaucoup de gens qui la critiquent, qui la trouvent trop criarde, qui trouvent que les couleurs sont mal choisies. Moi personnellement, je le trouve très beau le jeu. Jimmy, il est trop rose. Elle est criard, 90% des jeux sur Mega Drive ou Super NES avaient des graphismes qui étaient criards. Moi personnellement, je le trouve bien. Après, ce qui lui est reproché aussi, c'est que les personnages sont petits. C'est vrai que par rapport à l'écran, les persos sont assez petits. Mais moi je le trouve bien. Ouais. Donc c'est alors, bien, voilà. C'est une critique géniale. Il y a commentaire dans le test. Ce jeu est bien. Ce jeu est bien. C'est un très bon jeu, achetez-le. J'ai eu l'occasion de le redécouvrir cet été avec mes comparses parce que curieusement, c'est un jeu que j'avais
complètement occulté, parce que j'avais dû y jouer, mais avec tous les milliards de jeux que j'avais, bah, oui. Malheureusement, je suis pas resté longtemps dessus. Voilà. Et en fait, on s'est fait une soirée avec Soubi et Looping. On s'est fait tous les Double Dragons qu'on avait sous le coude. Et avec Soubi, mais on l'a scotché celui-là, mais... J'ai autant les autres, on s'est dit bon ok, il y a la fibre nostalgique qui fonctionne, machin et tout, mais celui-là, quand on a perdu avec Soubi, on était dégoûté parce qu'on a, on était à fond quoi. Et c'est vrai que graphiquement, il est peut-être un peu moins beau que les productions que tu pouvais trouver en arcade, ouais. Mais alors le gameplay, il est aux petits oignons quoi. Parce que t'as, mine de rien, pour un beat'em all, pas mal de coups. Et notamment, ce qui est, je trouve ça fabuleux, c'est que tu as les chops. C'est-à-dire, en fait, le mec, il te met un coup, tu peux non seulement le parer, mais en plus, tu peux l'enchaîner un peu à la Bruce Lee, quoi. Le à la Ken le survivant. Mm. Et je sais pas ce que t'en penses, Soubi, mais moi perso, je me suis régalé, quoi. Mais là, je suis d'ailleurs en pleine quête pour le retrouver en cartouche version Super Nintendo, parce que pour moi, c'est. Je me demande même pourquoi j'ai occulté ce titre. Parce que vraiment, on s'est régalé quoi. Ouais, en fait, justement, ce retour aux sources vient. Ça, c'est pareil. Dans le bouquin de Florent Gorge, c'est assez bien décrit. En fait, c'est vraiment limite un fan de Double Dragon qui discutait très souvent avec Kishimoto, qui avait une correspondance avec lui. Au bout d'un moment, Kishimoto s'est rendu compte qu'il était tellement fan qu'il l'a invité à venir au studio, ils ont fini par le recruter et c'est lui qui a presque pris les rênes de ce Double Dragon et il a vraiment voulu remettre l'essence, le délire de Double Dragon. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi j'adore dans ce gameplay, c'est comme disait Mikado, c'est la chope. En fait, tu as un des boutons, un des quatre boutons, c'est tu te mets en garde, tu lèves le poing, ouais. Et si jamais tu as un bon timing, en fait, au moment où un de tes ennemis il te met un coup de poing, tu mets la garde à ce moment-là et tu vois que au lieu de juste parer, tu chopes le bras du mec. Ouais. Et dans ces cas-là, tu peux faire différents mouvements. Soit par exemple, tu appuies sur le coup de poing, ce qui fait que du coup, tu vas le balancer de l'autre côté. Soit pour moi, mon coup mythique, c'est en gros, tu fais le coup de pied. Et dans ces cas-là, tu lèves la jambe et en fait, tu lui fais ta 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 avec la jambe. Et ça, mais c'est juste jouissif au possible. Moi, je pourrais faire quasiment tout le jeu en faisant que ce coup-là. Il y a un truc que je trouve génial par rapport au coup de la chope, parce que moi, quand j'ai vu ce bouton-là, quand j'ai vu ce truc, mais c'est, l'idée elle est géniale. Et il y a un truc que j'ai trouvé hallucinant, c'est que tu peux tenir un ennemi, le maraver, et si ton ennemi s'approche un peu trop dans ton dos, tu peux lui donner un coup de pied dans les roustons. Ouais. C'est tout cool, mais c'est vraiment le détail qui fait la différence. C'est génial. Et au risque de dire une ânerie, vous allez me corriger si j'ai faux, il me semble que tu peux latter les ennemis à deux. Tu peux brocher un ennemi sur l'autre. À la Street of Rage, tu veux dire qu'il y en a un qui le chope et l'autre le frappe, quoi. Ouais, oui, mais tu peux, oui. Franchement, pour moi, c'est vraiment, vraiment, c'est le beat'em up, vraiment comme je les aime. Et on pouvait se choper entre copains, là, comme encore une fois Street of Rage. Je crois que c'était dans les options. Genre, t'as player 2 et player 2B, un truc comme ça, 2A et 2B. Le A, c'est pas de tiramis, et puis B, c'est chacun pour soi. Ça pouvait permettre de faire des petites chorégraphies sympas aussi. Général, dans ces genres de jeux, moi, perso, ça m'a toujours dérangé d'avoir le tiramis, parce que souvent, c'est des jeux qui sont pas trop simples, parce que comme c'est des jeux qui sont pas longs, surtout, je te parle des jeux d'arcade, il fallait pousser à la conso, donc le tiramis était de base. Et c'était dommage, parce que des fois, notamment sur le premier Double Dragon, quand on y a rejoué, tu sais, des fois, t'es en train de latter un gars, puis t'as sans faire exprès, ou en général, c'est fait exprès, t'as Looping qui vient te frapper. T'es là, Looping, c'est bon, arrête un peu. Enfin, et en fait, la plupart du temps, il fait pas exprès, quoi. Donc, moi, j'ai jamais été fan. Donc, le fait que sur console, t'aies l'option, j'ai trouvé ça très bon, quoi. Après, je sais pas si ce Super Double Dragon a bien marché à l'époque sur ce Super NES. Écoute, je suis pas sûr. Hein. Parce que moi, honnêtement, à l'époque, quand il est sorti, j'avais pas de Super NES de toute façon, mais je sais que je m'étais pas spécialement. Non, mais bon. même mes potes qu'on avait, c'était pas spécialement intéressé parce qu'en fait, pour nous à l'époque, la série Double Dragon, en gros, c'était une série un peu déjà du passé. Ouais. Et ce jeu-là, en fait, moi, je l'ai découvert pas plus tard que cet été pour préparer l'émission. Le jeu est très bon, j'étais vraiment agréablement surpris par le jeu. Bon, après.
pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je pense qu'il est, il reste en deçà de Street of Rage 2, mais sur la Super NES, c'était un des meilleurs beat'em up. Dans le gameplay aussi, on a oublié de rajouter qu'il y avait il y a une jauge de power aussi. Mm. Quand tu maintiens LR, enfin je sais plus. Ouais, ouais voilà. Le perso se met un peu à la Super Saiyan, là. Ouais. À la Ken. Voilà, à concentrer son énergie. Ken, il n'y a que le t-shirt qui déchire pas, quoi. Voilà, et en fait après ça te permet de faire des coups spéciaux, des attaques spéciales. Ah ouais, ouais t'as l'impression qu'il est énervé. Enfin, voilà, ouais. Et bah à l'époque, je pense que je m'en souviens pas bien, mais à l'époque, enfin même là, hein, ça m'a fait super triper, quoi. Vraiment, ouais. C'est vraiment c'est le best-of de ce qui peut se faire le mieux dans les Double Dragon, quoi. Ouais. Bon, bah visiblement un très gros jeu et qui n'a pas connu de suite. Non. Sur enfin, Super NES. Il y a un Double Dragon 5, mais oui. Je crois qu'ils vont s'arrêter là. On va s'arrêter là, ouais, pour les Double Dragons. Oui, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. On a quand même abordé 4 Double Dragons. Je pense qu'on notera surtout le Double Dragon 2 qui a repris le gameplay de Renegade et ce super Double Dragon qui a apporté énormément dans le gameplay et qui a visiblement fait débat sur son graphisme qui était peut-être pas à la hauteur des étendards. De la 16 bits de Nintendo, bon, après, hein, ce sont les goûts et les couleurs. Hein. Je veux dire, moi, je préfère jouer à deux avec un jeu peut-être un peu moins beau que tout seul avec un jeu Capcom avec des gros sprites. Messieurs, je n'ai rien dit, je n'ai pas donné mon avis, je donne que mon propre avis. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Subi. Histoire de savoir à peu près ce que pensait aussi la presse à cette époque. Comme d'habitude, on a la revue de presse de Subi-kun. Subi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les avis de la presse de l'époque en 87 et consorts ? Alors, j'ai quelques avis, notamment de chez Joypad, Joystick ou Player One. Alors, c'est pareil, bah, comme toujours, le problème à l'époque, c'est que on a plein de jeux qui sont sortis avant presque la naissance des magazines, donc ouais. Forcément, c'est difficile de les retrouver. Par exemple, on a retrouvé un test chez Joypad, donc du Double Dragon 3 sur NES. Et on sent déjà que dès l'époque dans le test, bah c'est AHL et TSR qui l'avaient testé. Mmh. Et tu commences déjà à sentir la lassitude. Hein. Il a que 80% au final. Et c'est vraiment, tu vois, on sent que, je crois que c'est AHL. Ouais, il termine en disant. Si vous ne les avez pas, les Double Dragons, achetez plutôt Double Dragon 2 ou encore Tortue Ninja 2, quoi. C'est le truc qui est déjà à peine orienté, quoi, pour dire, bon, bah, franchement, quitte à choisir une version, autant prendre plutôt la 2. C'est marrant. Donc, pour un jeu qui a quand même 80%. Ouais, 80% à l'époque, c'était pas une note. C'était pas exceptionnel, hein. Ouais, ça, les pourcentages, de toute façon, c'est toujours, ça dépend de ton avis personnel. Moi, 80%, je crois que c'était à la limite, c'était achetable, quoi. Mais... Donc, après, plus du côté, justement, Player One, j'ai un test du 1 et du 2, toujours sur NES. Mm-hmm. Donc, en fait, le 2, le test a été fait par Matt Murdock. Donc, j'aurais presque envie de dire, de tous les tests que j'ai lus, le meilleur test, parce qu'il te décrit véritablement le gameplay du jeu, parce que souvent les tests s'attardaient plus à dire, bon voilà, c'est telle histoire, c'est machin, c'est telle ambiance, vous allez taper des mecs, mais sans véritable explication quoi que ce soit, donc c'était un peu léger. Et là on a un vrai test de pages sur deux pages, bien qui détaille bien le gameplay, etc. Et donc Matt Murdock lui a mis 95% sur Double Dragon 2 NES, en disant vraiment que voilà, lui il a trippé à mort, c'est un super jeu. Par contre, du coup, derrière, le problème, c'est que bah, dans, je crois que c'est 5 numéros plus tard, et bah, ils doivent tester Double Dragon, NES, qui est sorti du coup après en France. Et donc forcément, le jeu se tape que 71% en intérêt, parce que bah, il se fait défoncer, dans le sens, ils disent mais qu'est-ce qui sort maintenant, quoi. Il y a un problème, quoi. On nous file la plus mauvaise version après, quoi. Dans le sens plus mauvaise, parce que c'est celle qui a été faite avant, quoi. Ouais. Voilà, la plus vieille. Donc, du coup, voilà, c'était assez rigolo de voir bah, le test où le mec, c'est pas, il critique même pas en fait le jeu en lui-même, c'est juste. Bah, critique la politique de Taito, quoi. Voilà. Pourquoi, D'Acclaim. Pourquoi il sort à ce moment-là. Alors, je crois que c'était en joystick,
On a un test du coup d'à peu près toutes les versions de Double Dragon 2 sur Amiga, C64, ST, les fous. PC, donc qui sont à peu près toutes équivalentes, hein, plus ou moins jolies, mais là qui sont vraiment des versions qui sont très proches de la version arcade de Double oui. Dragon 2, donc qui tournent toujours autour des 80% d'intérêt. On est finalement, à part le test de Double Dragon 2 NES où on est à 95, tous les autres on est vraiment à des pourcentages qui sont, comme on disait, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas non plus le truc que tu retiens. Il termine avec une note de 80%, ce qui est bien, mais pas top. Ouais, mais enfin voilà, c'est. Et sinon, donc après, il reste le super Double Dragon. Oui. Là, on a un test du coup de chez Super Power. C'est qui power. Était un... Super Power. Non, mais je vais le dire à chaque fois qu'on va citer le magazine. Hein. Ou du coup, alors là c'était assez rigolo parce qu'ils lui mettent deux notes. Ils lui mettent 80% quand tu joues à un joueur et 83% quand tu joues à deux. Et 160% quand tu joues à deux. Ou non, du coup, c'est pas con en fait, comme manière dans, de noter. Dans le test, si tu veux, ce qui ressort, c'est bah, exactement les critiques qu'a dit du coup Looping, c'est qu'en fait, bah, la plupart du temps, ils trouvaient le jeu assez lent dans son déroulement. Il trouvait que le graphisme, du coup, c'était pas à la hauteur de la super, du coup, parce que bah, pareil, bah, les sprites, c'est vrai qu'ils sont pas grands, etc. Mm-hmm. Les couleurs sont un peu criardes. Et pour eux, leur plus gros souci, je l'ai vu dans deux tests de Super Double Dragon, c'est que du coup, c'est toujours les mêmes ennemis que tu affrontes tout au long des stages. Tu as vraiment un renouvellement des ennemis qui est très faible et du coup, qui passe très mal sur ce jeu. D'accord. Et ce qui est dommage, parce que quand je lis les tests, tu vois, bah, je retrouve pas le plaisir que moi, par contre, j'y ai pris à le faire à l'époque et même encore maintenant à le refaire aujourd'hui, quoi. Donc, tu penses qu'ils étaient assez exigeants par rapport à l'époque de sa sortie sur le titre ? Bah, en fait, ce qu'il faut revoir, c'est qu'à l'époque, c'était l'ère des clones, justement, de Double Dragon. T'en avais. Des pelletés parce que tu as eu Final Fight et après tu as eu tous les clones de Final Fight également, donc enfin là tu avais de quoi faire, quoi. Et d'ailleurs, juste je termine ma parenthèse, je tenais à revenir sur le podcast qu'on avait fait de Final Fight où j'avais dit que Street of Rage avait tout repompé sur Final Fight, mais je tiens quand même à rappeler également que Final Fight avait tout pompé bien sur... sûr. Rendons à César ce qui est à César. On peut même dire que Street of Rage a beaucoup pompé aussi à Double Dragon. Tu prends le dernier boss de Double Dragon, le dernier boss de Street of Rage. Tu sais, Oz, quelqu'un a dit les bons artistes copient, les grands artistes pillent. c'est tout pour cette revue de presse, Subi ? C'est tout. Nickel, merci. Voilà, c'est pas parce que c'est la deuxième saison qu'on va s'arrêter là, bien sûr. On va retrouver l'anecdote de Papa Looping. Looping, as-tu des anecdotes ? Ouais, j'en ai quelques-unes. Bon, je vais commencer par deux anecdotes, enfin une en particulier, mais qui est peut-être connue, mais pour certains peut-être pas. Dans le Double Dragon 1 et dans le Double Dragon 2, il y a donc au départ du jeu, il y a le garage qui s'ouvre. Oui. Et dans Double Dragon 1, tu aperçois une voiture qui est garée. Une voiture rouge, et dans Double Dragon 2, tu aperçois un hélicoptère rouge qui est aussi stationné. Et en fait, ces deux véhicules dans un garage. Sont dans un garage, normal. Un hélicoptère. D'accord. Voilà. D'accord. Mais en fait, c'est un clin d'œil. Ces deux véhicules sont tirés de jeux d'arcade qu'avait réalisé Kishimoto. C'est des jeux laserdisc. C'est une sorte de jeu ce qu'on appelle QTE maintenant, où tu appuies sur des touches pour. Donc c'était Thunderstorm et Road Avenger. D'accord. Donc voilà. Donc ceux qui. Voilà, c'est la petite chose Road à savoir. Les japonisants. Oui. Voilà. Donc c'était des hommages des jeux sur lesquels il s'est fait la main en arcade. Ouais, d'accord. C'est ça. Voilà. Chez Data East, c'était ses premiers jeux véritablement qu'il a développé. Donc quand il a changé de développeur, il s'est fait quand même un spécial. Quoi. Ah non. D'accord. D'autres anecdotes ? Donc oui, alors après bon, Double Dragon, ça s'est décliné sous tout un tas de formes, oui. dans le film qu'on connaît tous. Non, tu ne peux pas. Si, attends, il y a Marc Dacascos dedans. Et Alyssa Milano. Toujours pas vu. Il y a Alyssa Milano. Ah, une belle bouse de 84. Non, je tiens à dire qu'il avait une belle animation de logo en 3D au départ. C'est-à-dire ce talisman un peu doré
en 800 fois 600 certainement, qui tournait avec le dragon qui... Ah non, ça commençait bien. Puis après, le film a commencé. Ah mais moi je l'ai revu il y a peut-être un an de ça, oh là là, j'ai même pas pu tenir quoi. Mine c'est... de rien, Marc Dacascos c'était pas mal pour un film Double Dragon, c'est après dommage qu'ils aient fait À l'origine il voulait Brandon Lee, étant bah, grand oui. fan. Mais, le truc c'est que Kishimoto, ça a été fait entièrement par la branche américaine de Technos hein, ce film. Là en fait la branche japonaise on leur a juste demandé la permission parce que Kishimoto après il voit le film, pour lui c'est pas un Double Dragon. Hein. Oui c'est de la merde quoi. Ouais. Il y avait Alyssa Milano. Voilà. Bon, après, ça s'est décliné aussi sous forme de comics aux États-Unis. Oui. Jeux de société, jouets, et aussi un anime dont je vous ai montré l'intro il y a pas longtemps. C'est sale. Attendez, que ce soit pour les auditeurs du podcast ou pour la vidéo, je pense qu'on peut prendre juste 20 secondes pour écouter ça. Double dragon, c'est le symbole qui unit les deux frères. Ah, c'était beau ça, c'était ah, bah, franchement, c'est du lourd, hein. Je vous l'avais tout vous avez prévu. J'avais jamais vu, mais ça m'a c'est beaucoup sale. Mais tu sais, Lupin, tu disais que ça avait été décliné en jeux de société et divers jeux. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais été beaucoup marqué par le jeu LCD de Double Dragon. Tiger, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais des potes qui l'avaient et j'avais passé pas mal de temps dessus. Hein. J'imagine un jeu de société, tu fais un double 6 avec le dé, tu peux attraper le bidon. Ça a l'air passionnant comme jeu. Mais tu vois, c'est pour dire que finalement, fut une époque, c'était quand même une licence qui était... c'est devenu une franchise, cool. Quoi. Ouais, ouais, il y avait... C'est bon, une marque. C'est vrai que c'est... bon, c'est passé un peu à la trappe, mais... De les dragons. Enfin, voilà. Et c'est vrai, ça reste ça. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, dès la Super Nintendo, comme on disait tout à l'heure, pour moi, c'était déjà limite une... un vieux truc. Une série ringarde un peu. Rétro. Ouais. Ah ouais. C'était déjà du rétro gaming, quoi. Ouais, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas trop évolué et que c'est devenu un peu ringard avec le film en plus. Quoi. Le film peut-être a mis un dernier coup, tu vois. Ouais, un peut-être. Dernier coup de marteau sur le cercueil. Le dernier coup, il va bientôt arriver. D'accord. Ah oui. Exact. Non, c'est le coup de plus. Ouais. Oui, donc une dernière année. Ouais, donc, juste pour finir, en fait, la société Technos a fait faillite hein, quelques années. Pas longtemps après, après la sortie de Super Double Dragon. Ah ouais. Et si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez qu'en fait, ce qui se dit, c'est que Super Double Dragon sur Super Nintendo a été sorti un peu à la va-vite. Ouais. Et le jeu avait en fait une autre ambition, envergure. Donc il y avait déjà à la fin, il était censé y avoir le combat final comme dans Double Dragon 1, entre les deux joueurs, ce qui n'a pas été fait. Mmh. Il devait y avoir des séquences entre les stages, des séquences animées entre les stages, ce qui n'y a pas. Mmh. Et, pareil, on peut trouver des sprites, des choses qui avaient été élaborées pour le jeu qui n'ont jamais été inclus. Donc voilà, c'est un jeu qui est peut-être justement pourquoi il n'a pas l'envergure qu'on aimerait qu'il ait. Peut-être qu'il a été fait un peu à la va-vite, quoi. Ou alors que Technos était déjà en difficulté à cette époque. Et voilà, ils ont peut-être. Il n'a pas eu le succès qu'ils attendaient et ça a été le glac pour eux, quoi. Peut-être aussi. Et, durant toutes ces missions, on n'a pas arrêté de parler de Kishimoto et de Florent Gorge. Oz, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on parle de ça? Non, je ne l'expliquerai pas. Je vous renvoie à l'excellent article qui est sur le site lacaserétro.fr. Non, mais non, pour faire simple, non, c'est vrai que l'ouvrage qui est sorti un peu avant l'été, c'est, bon, sans flagornerie, honnêtement, c'est un des... Quel ouvrage? Je ne me dis pas quoi. Ah, comment il s'appelle? Le Hunter the Double Dragon, je crois, donc la biographie de Yoshihisaki Kishimoto. Très bonne biographie parce que l'histoire du bonhomme est tout simplement hallucinante. Je l'ai mis rapidement dans mon article. Bon, évidemment, tous les développements des différents Double Dragons est abordé dans l'ouvrage, mais pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante du livre. Il y a toute la jeunesse de Kishimoto qui est vraiment mais hallucinante. C'est un personnage de cinéma. J'ai dit dans l'article que moi, ça me faisait penser un peu sa jeunesse à ce qu'on pouvait voir nous dans, par exemple, un collège foufoufou. Quoi. C'est vraiment bon. C'était un petit délinquant, mais il y a des trucs qui sont à mourir de rire dans sa jeunesse. Et après, il y a également tout ce qu'il y a après Double Dragon,
où il a quand même continué à bosser, même si c'est moins connu par chez nous. Et on se rend compte qu'en fait, le mec, il a un destin vachement touchant parce qu'il a des idées de génie. Sauf que contrairement à des grands créateurs comme Miyamoto, ben, il n'a pas eu la chance d'être dans des boîtes qui pouvaient le mettre en avant ou qui avaient le pognon pour développer ces idées-là. Donc en fait, tu as l'impression qu'à chaque fois, c'est des échecs ou bien ça passe à côté, quoi. Et ça fait presque un pincement au cœur parce que tu vois que le mec, finalement, il relativise vachement dans le livre, quoi. Comme un potentiel sous-exploité. Tout à fait. Donc si vous voulez en savoir plus sur le créateur de Double Dragon, on ne saurait que trop vous conseiller de lire la biographie de Kishimoto par Florent Gorge. Qui est très beau super. Bouquin. Eh bien messieurs, ça va être l'heure de conclure sur ce premier épisode de la saison 2 de la case rétro. Et comme d'habitude, je vous dis, tiens, est-ce que ce jeu pourrait revenir, même si souvent ce sont des jeux qui n'existent plus, par exemple avec Trizer, est-ce qu'on avait envie d'un remake, est-ce qu'on avait envie d'un nouvel épisode ou d'une ressortie? Et là malheureusement, on peut pas trop nous demander notre avis puisque... Il va y avoir une sorte de remake, de réadaptation de version HD de merde. Attends, il n'est pas sorti. Attends, voilà. On va voir quand même. Double Dragon reviendrait. Ouais. Est-ce qu'on peut m'expliquer il revient où, quand, comment, pourquoi? Bah, je crois qu'il revient en version dématérialisée sur Xbox Live et PlayStation Network, non? Oui. Mais moi, du peu que j'ai vu, j'ai très peur. Hein. Franchement, donc c'est développé par qui? C'est quelle représentation? Est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est un nouvel épisode? C'est le Néon, Double Dragon Néon, hein, si je dis pas de bêtises. Néon, c'est ça. D'accord. Néon, il me semble. Donc, bah, déjà, c'est genre flashy années 80. Mais tu vois les screens, c'est ça. C'est du fluo à gogo. Moi, déjà, j'aime pas du tout le chara-design des personnages. C'est en 3D, 2D? Il me semble que c'est un mix entre de la 3D. Non, c'est de la 3D, il me semble. Hein, ouais, si c'est de la 3D, c'est un 2.5, quoi. C'est ça. C'est un 2.5. D'accord, ouais. C'est un truc un peu cel shading fluo, néon. Ouais, ouais. Mais alors, bon, après, on peut pas critiquer sans avoir sans essayé, avoir mais. Joué. Il sort quand? Le 11 septembre. Si 11 septembre, c'est pas tard, ça. Super. Triste journée pour l'humanité. Après le 21 décembre 2012, j'espère. Donc on va pas l'enterrer déjà, mais le problème c'est de voir le chara design me plaît pas. Oui. Maintenant je sais pas. Est-ce que c'est voir. Au niveau du chara design de la réédition des Tortues Ninja Turtles in Time? Ah non, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Ouais, vous voyez à peu près le niveau, quoi, déjà. Ouais. C'est un remake ou c'est un nouvel épisode? C'est un remake. C'est un remake du 1? Je suis pas sûr. Non, je pense que c'est plus. Alors, moi, Tim, alors il ressemble plus à. Non, mais je vais pas troller, mais il ressemble plus à Street of Rage. Non, mais. Quoi? Oh, l'insulte! Ouais, mais. Non, mais je suis d'accord avec toi, ouais. dans la direction artistique, dans le côté fluo, pétant, au niveau des couleurs, moi, ça me fait penser à l'ambiance qu'il y avait dans les Street of Rage. Bon, on a pas joué au même jeu, les gars. On a pas joué au même jeu. Bah, si, il y a une ambiance nocturne, quoi. T'as l'ambiance vraiment en boîte de nuit, bar mal famé, comme tu vois le fait dans Street of Rage. Ah oui, voilà, non, mais il y a une différence entre bar de nuit et bar mal famé et ambiance néon. Bah, ouais, grosse différence, les gars. Hein. De ce que je vois de ce Double Dragon Néon, j'ai plus l'impression de rentrer dans une baraguette du genre le fucking Blue Boy que d'avoir une ambiance à la Street of Rage avec les pavés humides qui reflètent les devantures des magasins. Excuse-moi. Ouais. Non, mais après, c'est pour ça, je t'ai dit, faudra l'essayer. On peut pas. Déjà, moi, personnellement, je regarde très peu de vidéos des futurs jeux. C'est-à-dire que j'aime pas me spoiler à regarder les trailers, les machins, les trucs. Oui. Donc, j'ai regardé quelques images. Les images m'ont pas plu. Maintenant, on verra. J'attends que le jeu sorte réellement. Mais je suis fort à parier qu'on en reparlera peut-être dans une autre émission. Moi, pour être honnête, ça me fait penser quasiment au niveau de la réédition de Barbarian sur iOS. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais, tu vas loin là. Hein. Non, mais ça va être pareil. Hein. Franchement, alors, pour information, le développeur, il s'appelle WayForward. J'avais cru lire dans un article que c'est un développeur qui avait fait des adaptations ou des jeux sympathiques, donc je suis parti voir la fiche technique sur IGN et je vois que sur Game Boy Advance ils avaient fait un jeu Barbie. Ah bon, ce qui explique un peu le côté néon. Donc voilà. Double Dragon Néon. Et bah, visiblement, un œil craintif sur ce nouvel épisode, cette tentative de se réaccaparer une licence. On verra ce que ça donne. Bon. Visiblement, vous êtes assez sceptique sur le principe et sur la gueule que ça.
Moi je voudrais le 1, le 1 ou le 2 arcade reboosté. Fluide. Fluide, voilà, mais voilà. Mais mettez-moi le 1 et le 2 fluide sur le Xbox Live, multijoueur, nickel. Mais voilà. Moi j'ai envie de te poser la question, Looping, outre le fait qu'il y aurait Marion Cotillard dedans, c'est... est-ce que... Oh, cher, la pauvre. C'est que on en parlait sur, par exemple, Turtle in Time, qui est un jeu incroyable, ou sur d'autres titres, on est revenu là-dessus sur toute la première saison, et là j'ai envie de te poser une question quand même assez dure, c'est que, est-ce qu'on devrait pas plutôt laisser Double Dragon là où il est? Ah, Non, je te dis, moi personnellement, ça me plairait que cette licence a la saveur et la capacité de revenir sur le devant de la scène aujourd'hui? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les beat'em all, ils ont plus la cote. C'est plus du tout dans l'air du temps. Tu regardes sur les consoles next-gen, comme ça, de tête, j'en ai pas. Il y a les Batman, mais c'est des jeux d'aventure. On sent le rétro gamer qui parle de next-gen sur des consoles qui sont sorties il y a à peu près 5 ans. C'est que pour lui, c'était encore mais la non, même. Mais même en PS2, je veux dire, il y a des Devil May Cry. Oui, mais on a vu que. Et là, c'est pas pour rien aussi que ce Double Dragon Néon sort sur Xbox Live Arcade. C'est que sur la scène dématérialisée, on retrouve quand même pas mal de beat'em up en 2D. Ouais. On a vu avec. Déjà, il y a des remakes et des rééditions de vieux titres, mais avec des Scott Pilgrim, ce genre de jeu, on voit que ce. En dématérialisé, on en trouve. Mais est-ce que pour Double Dragon, est-ce que au-delà de la marque, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, comme on a dit, il y a eu des clones et des clones et des clones, est-ce que finalement Double Dragon, c'est juste maintenant pour le. Ça reste finalement de l'histoire et que finalement les autres sont. Tous les autres, tout le genre beat'em up s'est accaparé les nouveautés et les innovations de Double Dragon. Ouais, alors bah. Je sais que tu vas déprimer de ce que je te dis. Non, mais moi je serais client pour le 1 remis au goût du jour. Mais quand je dis remis au goût du jour, c'est pas avec un graphisme en HD, enfin une. Oui, on a à peu près tous le même avis sur la question, c'est sur. Voilà. À la limite qu'il soit un petit peu plus beau que ce qu'il était. Mais fluide, voilà, moi je serais client. Après, effectivement, la jeune génération, peut-être que les beat'em all et Double Dragon, ils s'en fichent complètement, c'est même sûr. Messieurs, rapidement, votre avis sur la question, Oz? Moi je me dis que ce serait faisable à condition qu'il y ait de l'expertise, enfin qu'il demande conseil à Kishimoto. Il le dit dans le livre, il dit que s'il devait avoir quelque chose de nouveau sur Double Dragon, il aurait des idées pour le faire. Parce que là, il n'est pas du tout. Non, j'ai plus le livre sous les yeux, tu pourras peut-être me corriger, Soubi, mais il me semble qu'il disait qu'il avait été approché pour cette version, pour Double Dragon Néon. Ouais, et qu'il a claqué la porte, ouais, il s'est barré quand il a vu que les idées étaient vraiment à l'opposé de ce qu'il allait proposer. C'est moi, perso, comme je le dis plusieurs fois, ce genre de truc, c'est une série, je suis pas sûr que ça lui ferait du bien de la ressortir, quoi. Vaut mieux rester sur les épisodes qu'on aime. Tu vois, par exemple, le Super, pour moi, il est toujours. Aussi bon, je l'aime toujours autant. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un remake ou un nouvel épisode, quoi. D'accord. Et toi, Mika? Bah, je rejoins complètement Soubi parce que j'ai vraiment redécouvert la version Super Nintendo. Je me suis régalé. Et je suis comme Looping, je regarde pas trop les vidéos machin pour pas spoiler, mais pour Double Dragon, j'entendais vraiment qu'un buzz négatif le remake là, donc j'ai regardé et j'ai halluciné, quoi. Tu sais que c'est une dope, c'est ça se voit, c'est tu sais, c'est écrit I am a big dope, quoi. Je comprends que le mec quand il a vu son jeu comme ça, il a dit non, ça va pas être possible, quoi. Vous le faites, mais vous mettez pas mon nom dedans, quoi. Ah, voilà, quoi. Donc ouais, pareil, je suis pas sûr que, mais je crois qu'il existe la version originale sur Xbox Live, hein, qui doit être encore à prix fort, mais il me semble que tu peux y jouer, quoi, sur le Xbox Live à Double Dragon. Bon, attends, sur le gardien. Ah, tout à fait Thierry. Ah, Double Dragon 1 sur Xbox Live Arcade, il y a même Double Dragon 2. Et par curiosité, combien? Ah bah je sais pas là. 1200 points le pack. Ah non, lui. Mais il était sorti en 2007 le 1 et le 2 est sorti en 2006, comme pour la NES. Ah non, attends, le 2, le 2 ça a l'air bizarre. C'est pas encore annoncé. Non, c'est un truc en 3D tout moche. D'accord. Donc Looping, si tu veux, tu as le 1.
Ah bah écoute, après faut voir s'il est, il est optimisé ou pas. Ça se trouve il est optimisé hein. Ouais, attends, attendez, attendez. Alors là, moi le looping je le connais moi. Même pas en rêve, il m'a mettre des sous là. En série sur l'émulation hein. Il fait le beau là pour l'émission, mais même à 400 points il l'achète pas. Non, bah, attendez, attendez. Moi je reste sur ma position où j'ai dit que les jeux dématérialisés et les jeux rétro étaient beaucoup trop chers. Maintenant voilà, c'est sûr s'il a 400 points pour moi c'est hors de prix pour un jeu rétro. Ah oui, mais c'est le minimum du minimum que tu peux trouver à... Bah non, 400 points, t'as 80 points Microsoft Points. Par contre, il y a un super filtre graphique, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Ah ouais, c'est de l'upscaling pourri. Ah, c'est du redessiné tout lait, quoi. Ah voilà. Bah ouais, c'est ça le problème. Voilà, vous avez, voilà, c'est un peu... Et t'as l'air de pouvoir jouer aux deux versions, hein, t'as la version... Bah bien sûr, oui. comme pour Double Dragon, quoi. Final Fight, pardon. En fait. J'ai l'impression que c'est un peu le leitmotiv de la case rétro sur les ressorties des jeux, c'est qu'on a à peu près tous le même. On n'aime pas l'upscaling, on n'aime pas la 2,5D. Ouais. Nous, on veut de la fluidité, les mêmes sprites qu'avant en plus juste en 16:9. Voilà, en 16:9, etc. On est amoureux du pixel. Bah, messieurs, cette première émission de saison 2 touche à sa fin. On va devoir se quitter. Merci à vous de m'avoir aidé à faire cette émission. On est revenu et vous n'êtes pas prêts de nous avoir quittés. Merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivis pour parler de Double Dragon, de ses différentes versions NES et de cette exclusivité incroyable qui était Super Double Dragon, qui a été peut-être qui a sonné un peu le glas de son développeur. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur lacaserétro.fr pour des papiers que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. On se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut! Salut.